gauche du gardien de but de Richard à la ligne bleue. Un tir. Le Phoenix qui s'amène pour une première fois. Une chance ici, là, c'est William Charles Bishop a raté la rondelle. Ça reviendra à la ligne bleue. Lancé sur le dos et le but. Oui, absolument. Les Huskies qui étaient complètement débordés là, dans la dernière séquence. On a joué mollement. On laissait pratiquement là, le Phoenix de Sherbrooke faire ce qu'il voulait. Et même quand le Sherbrooke perdait la rondelle, il parvenait tout de suite. Avec eux, justement, c'est Bourush qui va s'amener. Et Leighton Carruthers. Carruthers du revers. Le tir de Turcotte. La rondelle qui est toujours libre à l'embouchure à la gauche. Peut-être avantage numérique. Régis tire sur réception de Hooyer. Bourush envoie Régis. Un tir et but! Sam Régis! Wow! Alors ça va faire du bien aux Huskies, là. Eux qui avaient connu là, beaucoup de ratés en match préparatoire en avantage numérique. Je ne sais pas si on a réussi à endormir la défensive du Phoenix de Sherbrooke. Le jeu me paraissait d'une lenteur assez incroyable, mais on a réussi à se créer une certaine ouverture à la défensive. Et le tir de Samuel Régis en haut du filet, qui est parvenu à déjouer le gardien Robillard du Phoenix. Alors, on s'installe, on crée l'égalité au point. Gill sur la gauche. En avantage numérique. La rondelle qui est libre. Oh! C'est le but! Alex Arsenault! Alors, l'annonceur maison qui venait à peine de commencer à annoncer le premier but va devoir en annoncer un deuxième. Les Huskies qui ont réussi à faufiler cette rondelle entre les jambières de Robillard. Alors, on voit la reprise, mais c'était une fois que le but a été. Johnson avec une feinte à la ligne bleue, une passe pour Arsenault. Arsenault a été accroché. Et on va aller en tir de pénalité. Oui. Alors. Et là, c'est excitant parce que là, on a eu 7 minutes d'avantage numérique. 1,54, tir de pénalité. Donovan Arsenault. Alors, on revoit là, la séquence Arsenault qui y allait fin seul. Et oui, on voit vraiment le joueur du Phoenix qui a sorti le crochet. C'est dommage pour le Phoenix parce que son gardien avait été prêt à harponner la rondelle. Alors, Donovan Arsenault qui va s'élancer. Joueur de 17 ans. S'amène. Présent, ce sera la sortie de Sherbrooke avec Roy. Il faudra surveiller dans les prochaines minutes la sortie du gardien avec Huard. Huard passe pour Anctil. Anctil dans l'entente pour Joshua Roy. Et quel arrêt du gardien de but Samuel Richard là-dessus. Un déplacement de la droite pour stopper le tir de l'espoir du Canadien contre les Remparts de Québec. Prochain match à domicile, c'est demain. Mais ensuite de ça, ce sera les 15 et 16. Le tir et but! Son premier but dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et à couvre, Hooyer! Quel magnifique but, le gardien Robillard qui n'a pas eu le temps d'effectuer son déplacement. On a vu bouger les cordages d'ici. Quel magnifique lancer du joueur des Huskies. Alors, les Huskies qui mènent maintenant 3-1 alors qu'il reste 3 minutes 21. C'est stoppé, c'est bloqué le dégagement avec Samuel Régis. Bagarre bien le long de la rampe pour la rondelle qui va faire un drôle de bond. Et alors, trompe la vigilance du gardien de but, Richard. Alors, on dirait que Richard avait mal à côté son patin sur son poteau. Alors, un but d'un angle assez bizarre, là. Donc, on dirait qu'on a frappé le patin de Richard et la rondelle qui s'est faufilée derrière lui. Disons.